Ici le docteur Lawrence McGrath, psychiatre de la section C. Rapport audio annexe en vue d'une intervention non officielle. Le patient Daniel Marlowe a récemment été admis à l'hôpital et est à la charge de notre médecin en chef, le docteur Peter Newman. Je n'ai pas rencontré le patient, ni n'ai consulté son dossier, mais j'en ai entendu parler. Daniel Marlowe a été interné suite au massacre de sa femme et de ses trois enfants, dont il a été accusé. Une sale affaire, apparemment. Il aurait été retrouvé prostré dans une mare de sang dans son salon, au milieu des siens. Il aurait découpé le visage de sa femme, et cela serait cousu sur son propre visage. Il a aussi peint des symboles avec leur sang sur les murs. J'ai eu l'occasion de voir une photo de la scène de crime. Une sale affaire. De ce que je sais, Marlowe nie son acte en bloc. Est convaincu que le meurtre de sa famille est lié à une secte satanique sur laquelle il enquêtait. Marlowe est détective privé. Il prétend avoir trouvé sa famille assassinée en rentrant chez lui. Je ne connais pas tous les détails du dossier, mais sa culpabilité ne semble pas faire de doute. L'avocat a plaidé la folie qui a été retenue avec l'appui du docteur Newman. D'après lui, le patient croit réellement être innocent, malgré les preuves incontestables. Une sorte de déni, de détachement complet par rapport à ses actes. Très intéressant au demeurant, mais je digresse. La raison pour laquelle j'ouvre un journal annexe est que cette histoire présente certaines similarités avec les délires d'un de mes patients, Ian Claiborne. Tout est dans son dossier. Mais pour résumer, Claiborne est un tueur en série qui commettait ses meurtres en offrande à une entité supérieure nommée le Voyageur. J'ai d'ailleurs mis la main sur un vieux grimoire, l'Aude au Voyageur, que Claiborne gardait dans sa cave et auquel il se référait. La couverture de l'ouvrage est frappée du même symbole que ceux peints par Daniel Marlowe sur les murs de son salon. Je ne nie pas la démence de Marlowe, mais la coïncidence est suffisamment troublante pour que je me penche dessus. Je vais attendre d'en savoir plus et de vérifier un lien éventuel avant d'en parler au docteur Newman et de demander l'accès au dossier de Daniel Marlowe. Je vais donc aller m'entretenir avec Daniel Marlowe et, si cela s'avère concluant, je jetterai un œil au grimoire et ferai part de mes découvertes au docteur Newman. Suite au prochain enregistrement, McGrath, terminé. J'écris cette lettre sous contrôle de Howard Parsons, l'un des infirmiers de la section C où je suis internée. Il s'agit du bloc de l'hôpital psychiatrique destiné aux fous dangereux. Si je ne suis pas déjà fou, cet endroit se chargera à terme de me faire sombrer dans la démence et je rédige cette lettre en guise de témoignage lorsque je ne serai plus capable de parler pour moi-même. La police ne m'a pas cru. Mon psychiatre, le docteur Peter Newman, également médecin en chef de l'asile, ne m'a pas cru. Ma femme et mes trois enfants ont été massacrés. Et je suis désormais considéré comme le démon qui a commis cet acte effroyable. Et pendant que je me morfonds dans ma cellule froide, considéré comme un cas psychiatrique majeur, seul avec ma tristesse et mon désespoir, le véritable assassin, le véritable démon court toujours. Pourtant, j'ai donné des pistes à la police. Je suis détective privé et ma dernière affaire m'a mené sur les traces d'une secte satanique qui se rassemblait dans un lieu secret du centre-ville. Je tairai ici les détails de mon enquête puisque mes découvertes ont de toute façon été réfutées et ma crédibilité est sévèrement mise à mal. Toujours est-il que je me suis rendu sur les lieux pour assister aux cérémonies blasphématoires de ces fous furieux et j'ai été le témoin impuissant du sacrifice d'un homme. Vous avez bien lu. Ces satanistes ont sacrifié un pauvre bougre avec un couteau rituel et la police n'a même pas été capable de faire le lien entre ce meurtre dont j'ai été témoin et celui de ma femme et de mes enfants. Choqué par cette vision, j'ai vivement quitté les lieux. Mais, dans ma précipitation, j'ai bousculé un des sectateurs dont je ne me rappelle plus le visage et je suis convaincue qu'il m'a vu. Je suis retournée à mon domicile, bien décidée à appeler la police pour les mettre sur la piste de la secte,
sachant pertinemment que cette affaire dépassait mes petits moyens de détective privé. Je dois vous avouer que durant tout le chemin jusque chez moi, j'ai eu la désagréable impression d'être suivi et j'ai effectué plusieurs détours pour perdre mon éventuelle ombre. J'ai donc obtenu un rendez-vous avec l'inspecteur Trevor Lehman le lendemain. Je lui ai tout expliqué. Il m'a dit qu'il allait se pencher sur la question. Satisfait, je suis rentrée chez moi. C'est là que je les ai trouvés. Ma femme, mes enfants, massacrés, baignant dans une mare de sang. Sur les murs, des glyphes peints avec leur sang. Je suis tombée à genoux et me suis pris la tête entre les mains. Ironiquement, je suis sans doute devenue fou à ce moment. Encore maintenant, lorsque ces images agressent mes pensées tandis que j'écris ces lignes, je sens mon esprit trembler sous leur poids, prêt à s'effondrer pour de bon. Même si ce n'est pas pour les bonnes raisons, mon psychiatre n'a peut-être pas tort. Dans la surveillance dont je fais l'objet à la section C, je me serais sans doute déjà pendue. Par-delà mes hurlements désespérés, j'ai entendu un bruit derrière moi. Je me suis brusquement retournée et me suis retrouvée face à une parodie d'être humain. Du moins, c'est l'impression que cela me fit. L'homme qui me faisait face avait la peau du visage d'un autre, cousue sur le sien, et le grain de la peau rajouté était taché du sang du démon qui s'était livré à cette effroyable opération. J'ai été secouée d'horreur lorsque, malgré la perversion d'un visage privé de son ossature originelle, j'ai reconnu celui du pauvre homme victime du sacrifice dont j'avais été témoin. Le meurtrier portait son visage. Lorsque j'ai été frappée par cette réalisation, il était trop tard et j'ai reçu un coup sur la tête. À mon réveil, je gisais dans le sang des miens, tandis qu'une terrible sensation de brûlure agressait mon visage. Mes doigts se sont égarés sur ma face endolorie, et je n'ai pas reconnu le grain épais de ma peau d'homme mal rasée. Cette peau était douce, agréable et familière. Pris d'une panique innommable, je me suis précipitée dans ma salle de bain pour me regarder dans le miroir. J'ai cru défaillir, mourir même. Face à moi, le visage perverti de ma femme m'adressait une grimace de cauchemar. J'ai saisi le visage de mes doigts en hurlant et j'ai tenté de l'arracher malgré la douleur intense causée par les coutures sommaires qui se déchiraient. Mon souvenir à partir de ce moment est flou, mais je crois que c'est là que la police est entrée chez moi. Il m'est inutile ici de compter les détails de mes interrogatoires par la police, puisqu'ils ont de toute façon mené à mon arrestation. Sous le choc, mon esprit baigné dans un trouble léthargique, et tout s'est déroulé comme si je n'étais que spectateur. J'imagine sans mal que mes idées n'étaient pas claires et que j'ai pu avoir des difficultés à me montrer convaincant. Il semble que l'existence de la secte satanique et le sacrifice dont j'ai été témoin ne m'est pas disculpé et je suis dans l'incapacité de vous dire pourquoi. Pour tout vous dire, je me demande parfois si la secte satanique n'a pas ses ramifications jusque dans les rangs de la police. L'inspecteur Lehman lui-même pourrait en faire partie, ce qui expliquerait le massacre de ma famille juste après et la mise en scène dont j'ai été l'objet. Vous qui lisez cette lettre, ne négligez pas cette piste. Vous pourriez... L'écriture de ma lettre a été interrompue. Je n'ai pas pu reprendre depuis quelques jours. Je ne sais pas exactement combien. Je pense que le docteur Newman préférait que je me concentre sur ma thérapie. Il a toutefois consenti à me laisser terminer sous contrôle de l'infirmier. En relisant mes lignes, je ne sais plus que penser. Mes propos me semblent être ceux d'un autre, et je suis chaque nuit assaillie de rêves épouvantables dans lesquels je me vois. Je me vois massacrer les miens. Je perds peu à peu confiance en ma lucidité, en l'intégrité de mon esprit. Je ne sais plus démêler le vrai du faux. Je ne sais plus si je suis victime ou bourreau. Vous êtes dans la section C, la section pour les fous dangereux, dans l'hôpital psychiatrique, et l'alarme vient de retentir. Elle est très forte. Elle retentit comme ça pendant de longues secondes, et tout est noir. Il n'y a plus de courant, plus rien, plus de lumière. Soudain, le générateur de secours se met en marche.
Et alors, les lumières reviennent, mais très faibles. Daniel Marlowe, tu es dans ta cellule. Et elle est ouverte. Que fais-tu? Je jette un œil dans le couloir. Tu jettes un œil. Prudemment, pour voir ce qui se passe. Eh bien, au début, tu ne vois pas grand-chose, car comme je le disais, les lumières sont très ténues. En revanche, tu distingues quand même une silhouette, un peu plus loin, près d'une autre porte. Quant à toi, docteur Lawrence McGrath, tu es dans le couloir. Et alors que la lumière est revenue faiblement, clignotante, tu vois non loin la cellule de celui que tu étais en train de venir voir. Et tu distingues quelque chose dans l'entrebâillement de la porte. La cellule de Daniel Marlowe. Que fais-tu? Est-ce que les autres cellules autour de moi sont également ouvertes? Absolument. Et donc il y a des gens fous dangereux à l'intérieur. Tu ne vois rien. Premier réflexe, ce serait de reculer sans tourner le dos. Tu recules légèrement. Et toi, Daniel, tu vois la silhouette dont je te parlais reculer prudemment un peu plus loin. Ouais, je dis hola, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, rentrer dans votre cellule, ça va certainement se reverrouiller. Je bouge pas pour l'instant. Moi, je recule encore. Tu recules et en reculant, tu repasses près d'autres cellules. Et tu es interpellé par le fait que tu ne vois rien à l'intérieur quand tu jettes un œil. Tu t'attends à te faire sauter dessus, peut-être parce que certains des patients sont très agressifs. Mais rien. Tu veux dire qu'il y a personne ou que je vois pas? A priori, il n'y a personne. En tout cas, dans celles dans lesquelles tu as jeté un œil. Tandis que je me retournais, regardais vers la porte d'où je viens. Je suppose qu'il y avait une entrée avec peut-être un garde ou un truc. Enfin, au moins un infirmier. Ouais. Regardez s'il y a de la lumière là-bas ou s'il y a une silhouette. Alors, d'où tu viens, derrière toi donc, dans le couloir, parce qu'il y a deux entrées, hein, deux extrémités du couloir. D'accord. Tout au fond, il y a la salle de traitement. Il faut aller vraiment tout droit, beaucoup plus loin. Par contre, sur la droite, il y a un escalier qui monte vers les bureaux. Et avant cela, il y a la salle du personnel. Donc ça tombe bien, tu parlais des infirmiers. Tu te rediriges un peu dans cette direction. Tu arrives non loin de l'escalier et tu vois effectivement une lumière au niveau de la salle du personnel. J'essaie de m'y approcher, de m'en approcher même. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais, Daniel Marlowe? Est-ce que tu restes dans ta cellule pour l'instant? Moi, j'aimerais savoir comment je suis habillée. J'ai une chemise d'hôpital, là? Comment je suis? Ouais, comme un patient dans un hôpital, tu n'as rien. J'ai rien, hein? Non. Ouais. Je vais pousser la porte et regarder dans le couloir quand même. Peut-être sortir dans le couloir même. Très bien. Et dans le couloir, tu le vois tel que je l'ai décrit précédemment au docteur. Mmh. Et d'ailleurs, tu vois ce docteur qui est tout au bout du couloir sur la gauche. Donc, en sortant de la cellule, c'est sur ta gauche. Tu le vois qui est en train de regarder au niveau de la salle du personnel que toi, tu ne peux pas distinguer. Et derrière toi, Daniel Marlowe, enfin, quand je dis derrière toi, c'est... dans ton dos, mais pas forcément juste derrière, plus loin. Ouais. Dans la droite du couloir, tu veux dire. Exactement, mais bien, ouais. Bien plus loin quand même. Dans cette direction, en tout cas, tu entends un rire dément. Quant à toi, Laurence, tu es maintenant dans l'entrebâillement de la salle du personnel. Moi, je... Il n'y a personne. Je m'active un peu. Tu entends ça aussi, hein, bien plus loin.
Ouais, je m'active beaucoup, donc. Je rentre en fracassant, une entrée fracassante dans la salle du personnel. Très bien. Limite à deux doigts de crier, mais qu'est-ce que vous foutez? Pourquoi personne vient refermer les portes? Tout s'est ouvert, quoi. Tu arrives à l'intérieur, et effectivement, il y a une lampe qui est allumée. Et c'est une lampe qui serait allumée si... même s'il n'y avait pas eu la coupure, même si ce n'était pas le générateur de secours. Contrairement aux autres lumières du couloir qui étaient très tamisées, là, elle est assez vive. Par contre, il n'y a personne. Et ça, c'est pas normal. Pas vraiment, non. Je regarde s'ils sont pas plus loin. C'est juste une salle où il y a plusieurs... Il y a une salle, enfin c'est une salle, une petite entrée comme un petit vestiaire derrière. Ben, je vais voir. Voir rien du tout. J'appelle. Vous êtes où? Il y a quelqu'un? Infirmier? Je me dirige vers lui. Donc à l'opposé de ce que tu as entendu. Oui, parce que j'ai envie d'aller chercher de quoi me défendre ou. Très bien, tu arrives dans son. Je peux arriver au vestiaire ou je sais pas, ouais. Puisque tout est ouvert. Je suppose qu'il y a des vestiaires des infirmiers quelque part. Ouais, par là. C'est justement là où ils se trouvent. Et du coup, alors que tu appelles comme ça, en te demandant ce qui se passe, docteur Laurence McGrath, à un moment, dans l'entrebâillement de la porte, tu vois celui que tu as vu un petit peu plus tôt, Daniel Marlowe, qui vient d'arriver. Quand tu dis que je l'ai vu un peu plus tôt, c'est... Bah, c'est lui que tu avais vu dans l'entrebâillement de la Ah, de je la l'avais cellule. Reconnu, d'accord, ok. Ouais, bah oui, okay. Puisque enfin, tu l'as reconnu, c'était... Là, tu le reconnais, précédemment, tu le voyais pas bien, mais il était dans sa cellule. Oui, tu veux dire, je savais quelle cellule oui. C'était, ok. D'accord. Absolument. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous avais demandé de rentrer dans votre cellule. Si les non, mais je ne peux pas rentrer là, dans ma cellule. Pourquoi? Non, non, mais il y a des bruits très étranges à l'autre bout du couloir. Moi, je veux pas rester sans défense dans ma cellule, tout seul mais là-bas. Justement, derrière votre cellule, derrière vos barrières. Non, mais elle est pas fermée, ma cellule. Elle ferme pas, ma cellule. Mais le courant va être remis, ça va être. Oui, bah là, il est pas remis. Pas donc, moi, je reste pas loin de vous, excusez-moi. Hein, mais... D'accord. Je vois, il est habillé juste en pagne, hein, on est d'accord. Hein. Oui, ben il y a un pantalon. En chemise de. Une grande chemise de l'hôpital, non pas. Ouais, menaçant, il a pas l'air, mais en tout cas, non pas. Moi, j'ai au moins un stylo pour me défendre si j'ai envie. Quoi. Ouais, je pense que c'est la seule chose que t'as avec toi, ouais, un stylo. Oui, j'imagine bien. Peut-être un calepin, éventuellement, si tu veux. Voilà, quelques photocopies, un dossier. Bah écoutez, restez là dans la lumière, je vais aller voir. Mais il y a personne dans cette pièce. Bah, c'est le vestiaire, je vais faire le tour. Comment ça se fait? Il y a une porte qui permet de sortir de cette section, c'est les escaliers, hein, tu disais, c'est ça? Alors, en dehors du vestiaire, de la salle du personnel, si tu montes les escaliers, tu vas arriver au bureau et effectivement la sortie de la section C. Et là, il faut une clé, un passe, quelque chose que j'ai ou... Normalement, c'est ouvert, il n'y a pas de passe. C'est une clé, quoi. Si c'est fermé, c'est une clé. Et tu l'as mais pas sur toi. Pas. Non, on est d'accord. Mais de toute façon, il y a toujours bureau. Quelqu'un qui est censé être là-bas. Pour... Absolument, bien sûr. D'accord. Donc si j'ai bien fait le tour du vestiaire, que je suis sûr qu'il n'y a rien ni personne de plus étrange qu'un vide, je te laisse me le dire. Là, tu ne vois rien de particulier, à la fois rien d'étrange. À moins que tu me dises que tu cherches quelque chose de particulier, là, comme ça, tu ne vois rien d'étrange, à part le fait de la vacuité des lieux. Ouais, c'est ça, je cherche une silhouette ou, allez, on va dire, des traces de sang ou des trucs comme ça, même s'il n'y a aucune raison qu'il y en ait. Non. En tout cas, dans la salle de personnel, tu ne vois rien de tout ça. Bah, dans le vestiaire aussi. Hein. Oui, c'est, quand je dis salle de personnel, c'est toute cette zone-là, vestiaire, dédié au personnel, voilà. Le seul truc peut-être un petit peu étrange, si je devais être précis, c'est quand même d'ailleurs pas forcément un détail, quand tu regardes de plus près, tu dis que les murs ont l'air un peu plus usés. C'est un peu plus délabré. D'ailleurs, ouais, tu te poses la question en regardant de plus près, en cherchant quelque chose d'étrange spécifiquement, c'est ce que tu constates.
C'est pas non plus un taudis, mais... Aïe, aïe. La peinture qui s'écaille ou exactement, chose comme ça, exactement. Je vais toucher, je vais prendre un bout de peinture qui s'écaille. Je vais, ouais, je vais pas le verbaliser, mais je vais regarder cette, ce morceau de peinture avec un peu trop longtemps, quoi. Mmh. Moi, je regarde. Je suis là, hein. Oui. Avec lui. Ouais. Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose, vous inquiétez pas. Votre cellule, elle avait l'air comme d'habitude, on est d'accord. Hein. Pas fait attention. Bon, écoutez, on va monter. Non, je vais monter, vous allez rester là. Ok. Enfermez-vous. Il y a une porte dans la cellule, enfin dans l'espace des infirmiers, là, du personnel. Alors oui, entre l'espace du personnel et le vestiaire, mais lorsque tu regardes, elle est toujours là. C'est deux petites portes battantes, mais tu vois que en fait la poignée, elle est cassée en fait. Ça ferme pas. Bah ça alors. Il y a plus rien qui ferme. Elle a été brisée ou elle est juste vieille et vieille. Et ça bat de gauche à droite. Il y a pas de butée quoi. Non. Bon, écoutez, mettez-vous là sur une chaise là. Je vais monter, je vais appeler quelqu'un, d'accord? Oui. Tu sors donc. Bon, aussitôt qu'il est sorti, je vais farfouiller dans les dans les casiers des infirmiers et tout ça. Qu'est-ce que tu cherches exactement? Je cherche déjà de quoi me couvrir mieux. Enfin, si je trouve, tu sais, un pantalon normal, une chemise. Ouais, je pense que ça chose. Tu peux trouver. Je pense que ça, tu peux trouver. De quoi m'habiller normalement, tu vois. Des chaussures, parce que peut-être je suis pieds nus. Ou si je trouve des baskets. Tu trouves comme un accoutrement un peu qui aurait été... L'infirmier, peut-être ouais, même. Qui aurait été oublié là. Mais ouais. Quand je dis qui aurait été oublié là, parce qu'il n'y a vraiment que celui-là. D'accord. Quant à toi, ma grâce, tu grimpes les escaliers. Et tu arrives au niveau des bureaux. Je vais passer à toi. Oh la vache. Exactement, oui. Et là, effectivement, c'est assez étrange. Tu as un long couloir, normal, tu connais. Il y a des cadres au mur, ça a toujours été le cas, mais certains sont tombés, certains sont un peu déplacés, et l'air d'avoir une fuite. Les lumières clignotent légèrement, mais de manière irrégulière. Sur ta gauche, lorsque tu émerges de l'escalier, il y a la grande double porte qui permet de sortir de cette partie des bureaux. Et à ta droite, comme je le disais, un long couloir avec du mobilier laissé là, à l'abandon. Il y a les bureaux au niveau des parois, enfin des murs, dans la gauche. Et tout au bout, toi tu le sais, il y a un autre escalier qui redescend, qui fait le tour en gros, jusqu'à la salle de détente des patients en l'occurrence. La salle de détente, c'est plus la section C, c'est plus des fous dangereux. Si, c'est quand ils d'accord. y sont sortis. Quand on les emmène là-bas, ah, quand d'accord. même, c'est toujours la section C. Là, pour sortir d'accord. la section C, c'est la porte qui est à gauche, juste à ta gauche. D'accord. Déjà, je vais regarder ça avec des yeux un peu ronds comme des soucoupes. Là, je vais m'appuyer sur les yeux avec les doigts. Je vais re-regarder en espérant que ça ait changé. Mais ça ne change pas. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé ici? On dirait que tout a vieilli de 30 ans en 30 secondes. C'est un peu l'impression que ça te donne. Et si je peux me permettre, quelque chose attire ton attention. Alors que tu examines tout ça avec les yeux écarquillés que tu viens de me décrire, tu repères un mouvement tout au bout du couloir, dans l'ombre. Comme furtif, tu n'es même pas sûr de l'avoir vu. Tu plisses les yeux. Crier. Il y a quelqu'un? Oh oui.
Tu cries dans la direction. Et là, tu le vois plus clairement. Une forme qui apparaît, qui émerge de l'ombre. Grande, qui porte un long manteau, mais en lambeaux. C'est tout ce que tu vois pour l'instant. Elle a de longs membres, de très longs bras. Et elle clignote. Très légèrement. Comme si elle était à moitié réelle. La chose avance. Dans la lumière, tu la vois un petit peu plus. La lumière légère néanmoins. Elle avance toujours, elle clignote. Ça à un patient qui aurait des longs bras. Quelque chose comme là, ça. Là, c'est quand même très très long. D'accord, je vais aller vers la double porte qui permet de sortir du coup. C'est-à-dire juste à côté de toi. C'est ça. En courant, en criant. Oh, tu es tout prêt. Tu saisis les poignets. Tu forces. Ça ne s'ouvre pas. Que fais-tu? Je me retourne derrière moi pour voir si la créature a avancé. La chose est très proche maintenant, à une dizaine de mètres. Et là donc, tu peux voir son visage. Ou plutôt, le visage qui est cousu sur son propre visage. Une parodie d'être humain que tu parviens malgré tout à reconnaître, en tout cas le visage qui est cousu. C'est le visage d'Howard Parson, un infirmier que tu connais bien. Je vais crier. Et est-ce que l'escalier... est-ce que la créature est entre l'escalier et moi ou est-ce non. qu'elle est... Tu peux... Je vais recourir vers l'escalier du coup. Très bien. Ça veut dire que pendant ce temps... Oui. S'il y a des chaises en bois ou des trucs en bas, moi j'essaye de casser une chaise pour me faire un bâton. Tout à fait possible. Je la fracasse pour avoir un des pieds, tu vois. Ça me va. De toute façon, vu l'état du mobilier, tu la fracasses sans souci pour prendre un des pieds. Toi, Magath, tu viens de voir la chose. Je vais te demander un test. Tu vas me lancer un des 10 avec une difficulté de 8, s'il te plaît, de par le choc de ce que tu viens de voir. Alors, 10, il est là. J'ai fait 4. 4. Ok, donc c'est une marge d'échec de 4. Ne me pose pas la question pourquoi je connais les règles, mais tu prends 3 points de détermination en moins, de par le choc que te procure cette vision. C'est bon. Tu cours dans l'escalier, sans demander ton reste. Tu redescends au niveau de la salle du personnel. Marlo, toi tu le vois, le docteur, en panique. Que faites-vous? Je tiens mon bâton et je lui dis qu'est-ce qui se passe? Il y a un fou dangereux en haut, il a assassiné un des gardiens, un des infirmiers, je sais plus. Comment vous le savez? Il a cousu son visage sur le sien, c'est un fou. Tu es où là exactement, toi, McGrath? T'es rentré dans la salle du personnel ou t'es encore dans le bas de l'escalier? Ah oui, je suis rentré dedans. Très bien. En fait, je vais aller me cacher là où il y a un humain pour me mettre derrière. Parfait. Le visage était cousu sur son visage? J'ai pas eu le temps de regarder, il était posé dessus, oui. Vous connaissez mon dossier? Vaguement. Mais c'est pas vous, puisque vous êtes là. Non, mais moi j'ai toujours dit que c'était pas moi qui avait tué ma femme et cousu son visage sur ma tronche. Oui, je sais. Je sais que c'est pas vous. Mais le docteur Newman, malheureusement, en a conclu autrement. Oui. Et quoi qu'il en soit, cette chose est en il train de me poursuivre. Il a conclu ce qu'il a rangé, le docteur Newman. On devrait peut-être partir d'ici. On peut pas, les portes sont fermées, j'essaie de les ouvrir en haut. Je vois qu'il y a la chaise pétée par terre, là, je prends également un bâton pendant ce temps. Un pied, ouais, un autre pied. Et voilà. S'il a réussi à massacrer tout le monde, ça doit être quelqu'un de très... Comment? De très puissant, de enragé. Je suis pas sûr qu'on puisse monter les escaliers. Il avait ses bras gigantesques, enfin, démesurés. Très bizarre. Pendant que vous parlez, excuse-moi juste de te couper. Faut partir en courant, ouais. 2 minutes justement, pendant que vous parlez, toi, McGrath, pendant que tu parles haletant comme ça, en fait, tu réalises que tu discutais et la créature ou la chose que tu as vue ou le patient n'est pas là finalement. Elle était juste derrière toi. 10 mètres maximum. Je l'ai entendu me suivre dans les escaliers où ça faisait pas de bruit.
Enfin, tu me diras, Je j'ai pense dû que faire tu tellement t'es peur dans pas, ce ouais, moment et que. tu as pas fait attention à ça. Mais en tout cas, lorsque tu as fui, elle était plus qu'à 10 mètres de toi. Et elle se dirigeait D'accord. clairement vers toi. Et là, elle aurait pu sans problème être sur vous ici. Et Est-ce que j'avais l'impression qu'elle courait ou qu'elle marchait ou qu'elle se déplaçait rapidement? elle clignotait. Et à chaque clignotement, elle avait avancé un petit peu. Enfin, pour moi, les clignotements, c'est l'éclairage, donc. À Ouais, part si tu me dis que mais. j'avais l'impression qu'elle était là puis qu'elle était plus là, quoi, mais. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'image de la chose qui paraissait clignoter. C'est pas parce que la lumière clignotait pas souvent. J'avais dit en haut, c'est pas très régulier. Vraiment, c'est la chose elle-même qui clignotait, apparaissait, disparaissait, comme ouais, comme si elle Comme si n'était. elle blinquait. Exactement, c'est ça. Elle vous D'accord. a pas Bah, suivi dans l'escalier alors? je vais prendre 2 secondes, je vais m'asseoir sur. Pas sur une chaise, s'il n'y en a plus, mais. Je vais m'adosser au mur là, je vais me prendre la tête dans les mains, je vais dire. Écoutez, Maintenant que vous le dites, je suis plus trop sûr de ce que j'ai vu ou de ce que j'ai pas vu. Vous m'avez entendu crier, on est d'accord? Oui, mais je comprends bien le problème. Parce que, en fait, ce qui m'est arrivé, c'est à peu près similaire. C'est-à-dire? Vous voulez que je vous raconte mon histoire ou pas? J'étais En venu pour fait, ça à la base, mais. j'étais détective privé. Et j'ai découvert une secte satanique qui faisait des rassemblements dans un lieu secret dans lequel je me suis rendue. Et j'ai vu un rituel où un homme était tué. Et en fait, il cousait le visage de cet homme. Après, j'ai vu le visage de cet homme cousu sur quelqu'un qui m'a agressé. Si je peux me permettre de corriger, c'est pire que ça. Hein. C'est que l'agression que tu as subie, c'était le visage de ta femme qui était Non, cousu c'est sur. sur moi. Non, non. Toi, pardon, sur toi, oui, pardon. Non, le gars qui m'a agressé avait le visage de l'homme que j'ai vu en Ah, pardon, sacrifié. excuse-moi, j'avais pas compris de quoi. Excuse-moi, oui, Ah, absolument. Excuse-moi, c'est ma faute, oui, j'ai c'est ça mal. que je disais. Non, non, j'étais en train de dire que l'homme qui m'a agressé chez moi portait le visage de cet homme que j'avais vu sacrifié, cousu sur sa face, ce qui ressemble à ce que vous avez vu là-haut. Ah bon? Donc, je ne peux que vous croire, déjà. Créature blanchâtre avec des grands bras. Non, c'était un homme. C'était un homme. Ah, vous C'était un voulez dire homme qui le fait de se m'a. coudre quelque chose, d'accord. Qui m'a frappé et mais il avait aussi le visage de quelqu'un d'autre cousu sur son visage. Et il m'a assommé. Et il avait en fait massacré ma femme et mes enfants. Et quand je me suis réveillée, j'avais le visage de ma femme cousu sur mon visage. Ce qui m'a un petit peu fait perdre les pédales, comme vous pouvez vous en douter. Et pourquoi disiez-vous tout à l'heure que le docteur Newman concluait ce qu'il arrangeait? Vous avez Parce que expliqué tout ça. je pense qu'en fait le docteur Newman fait partie de cette secte. C'est complètement idiot. Enfin, je le connais. Oui, moi aussi. Comment ça, vous le connaissez? Ah bah c'était mon docteur. Oui, enfin, depuis que vous êtes rentré ici, non? Oui. Oui. Mais curieusement, Que moi, j'ai des doutes sur Newman, là. Toi, normalement, non, pas du tout. Là, Ça quand il me dit te ça. paraît complètement farfelu. Oui, voilà, on est d'accord, hein, clairement. Ouais, Ok, d'accord. ok, ok. Bon, si vous le dites. Moi, Donc, je vais vous ouais. expliquer. On m'a autorisé dans cet hôpital à écrire une espèce de témoignage. Donc j'ai écrit mon témoignage. Et quand j'ai écrit que je soupçonnais que des personnes dans la police ou placées pourraient faire partie de la secte, on m'a empêché de continuer mon témoignage écrit. Et vous les faisiez lire à qui ces témoignages? Ben, je pense que c'était le docteur Newman qui les lisait. Et je n'ai pas pu continuer.
après avoir écrit ça. Donc pourquoi m'empêcher de continuer mon témoignage par écrit C'est ce que vous si dites est vrai, lui-même de toute n'est façon. pas, si lui-même n'est pas impliqué, je vois pas. Si ce que vous dites est vrai et que c'est lui ou ses petits amis qui sont là-haut en train d'essayer de nous pourchasser, il faut trouver un moyen de s'enfuir. Il faudrait arriver à sortir, mais si c'est fermé. Est-ce que je connais un endroit, en tant que vu que je travaille là, où une autre issue, par exemple au bout là, la salle d'où il y avait les rires, là, c'est un cul-de-sac. C'est pas un cul-de-sac, ça rejoint ensuite à partir de l'escalier du haut, ça rejoint les cellules. C'était en fait l'autre extrémité du couloir. Ça fait comme un genre de truc que tu contournes, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand vous êtes sorti de la cellule, initialement, si vous étiez allé à droite, au bout d'un moment dans le couloir, vous auriez atteint la salle de détente. La seule sortie, c'est celle que tu as essayé d'ouvrir en haut. D'accord. En tout cas, la sortie de la section C. C'est un vase clos, et puis la seule porte vraiment vers l'extérieur, c'est la double porte. Sauf, et c'est une question importante que tu as posée, sauf que là où vous êtes, il y a des fenêtres. À barreaux, bien sûr, mais il y a des fenêtres. Non. Okay. Non, non. Les sous-sols, c'est la salle de traitement. Là où vous êtes, il y a des fenêtres. Et la salle de traitement, pour y accéder, c'était au bout du couloir, là, il y avait les rires, hein, c'est ça? Non, de l'autre côté, l'opposé. C'est là où il y avait les rires, c'était direction la salle de repos. J'ai cru qu'il n'y avait que deux directions, c'est pour ça que j'ai mal compris. En fait, la salle de traitement, c'est au bout du couloir des cellules à gauche. La salle de détente, c'est au bout de la salle du couloir des cellules, mais à droite. Et là, on n'est pas au bout du couloir, là? Vous On est êtes de l'autre à côté, l'angle, là. vous êtes à l'angle. Vous étiez allé vers la gauche du couloir, mais au lieu de continuer tout droit vers la salle de traitement, vous êtes monté vers les escaliers. Enfin, à la base des escaliers et la salle de où vous êtes. Ah, j'ai cru que c'était le bout du couloir, d'accord, ok, très bien. C'est... Donc en fait, là, on est au milieu d'un couloir. Ouais, en fait, au milieu un peu, si on veut. Oui, Oui, grosso modo, c'est ça, t'as compris ouais, là, mais j'ai cru l'idée. vraiment qu'on était au bout. D'accord, très Non, bien. non. Traitement, détente, ok. Je me fais un plan, hein. Il y a des fenêtres. Là, il y a une fenêtre dans l'endroit Ouais, où une on est. fenêtre avec des barreaux, hein, complètement. Mais donc on voit l'extérieur. Tiens, bah, je vais regarder. Bah, tu regardes, c'est entièrement noir. Extérieur, noir, tu vois rien. J'ouvre la fenêtre. Mais c'est quelle heure dans la journée là? On le sait? Ah ben, bonne question. Là, non, Moi, on quand savait je suis pas. Là, descendu, comme ça. tiens. Toi, quand tu Quand je suis descendais, descendu, tu c'était quelle heure? devais être. Eh ben, 14h. Je dis, cette nuit dehors n'est pas normale. Il est censé être 14h30 maximum. Ah bon? Je sais Vous pas, moi avez j'ai perdu la pas notion du souvenir. temps. Ouais, votre journée n'est pas rythmée. Moi je sais plus. Lui, Je sais pas si j'ai. il a une fenêtre dans sa cellule? Je sais pas, ouais. Est-ce Non, que non, j'ai une pas de fenêtre? Non, j'ai fenêtre. pas de fenêtre, d'accord. Donc je sais Écoute-moi, pas j'ouvre la trop. fenêtre. T'y arrives pas. Y a pas de poignée. C'est juste la fenêtre et les barreaux derrière la fenêtre. Mais ça ne s'ouvre jamais ou c'est juste que c'est pété? C'est pas pété, non. Il y a juste pas de poignée. Et t'es plus très sûr en réalité. Est-ce qu'il y avait une poignée ou pas? Ça commence à Est-ce qu'il y a te un mettre le trou? doute en fait. Est-ce qu'il y a un trou pour mettre une poignée, quoi? Non. Là tu cherches, t'en vois pas. C'est une fenêtre fixe, en fait, tu veux dire? Il n'y a pas de battant? A priori. De ce que tu vois là, de ce que tu. Eh bien, je vais coller mon œil au carreau et je vais regarder pour voir dehors sans les reflets de la lumière et tout Très bien. de la pièce. Rien du tout. C'est noir. Et pendant que tu regardes là, toi, Marlo, tu vois que la lumière au plafond, qui fait une vraie lumière pour le coup bien, bien vive dans la salle du personnel, commence à clignoter. C'est léger pour l'instant, mais elle clignotait pas avant. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, si je vois rien, je comprends pas, je vois pas du tout à l'extérieur, quoi. Enfin, soit je suis tombé dans les pommes, j'ai perdu conscience un moment et on se réveille en pleine nuit, soit c'est juste pas normal, quoi. Qu'il se passe des choses pas normales. On est dans un endroit approprié pour ça. Attendez juste une question. Avant que ça s'éteigne, vous avez vu tout s'est éteint un moment, hein, vous vous rappelez? Vous avez l'habitude d'avoir des
co-détenus, enfin, je sais pas comment on appelait ça, mais des patients à côté de vous dans d'autres cellules, on est d'accord? Oui. Vous avez l'habitude de les entendre, de discuter avec eux, ou de... ça vous arrive? Non, je discute pas avec eux parce qu'on est chacun dans sa cellule. Les entendre discuter entre eux ou de s'invectiver, ce genre de choses. Il y en a qui hurlent, il y en a qui... leurs excréments d'une cellule à l'autre. Voilà. Est-ce qu'il y a eu du bruit juste avant que ça s'éteigne? Vous vous souvenez si... Je ne sais pas. Il faut demander au maître de jeu. C'est quoi la question que tu me poses exactement? Je lui ai demandé s'il se souvenait le moment, l'instant juste avant que ça s'éteigne et que sa cellule s'ouvre en fait. Hein, ouais, ouais. S'il avait souvenir d'avoir entendu du bruit, des gens qui vivaient autour de lui. Quoi, il y a toujours du bruit en général dans cet endroit. C'est d'ailleurs pour ça que c'est très difficile à vivre. Oui. Il y a toujours du bruit. D'accord. Mais depuis que l'alarme a sonné, effectivement, c'est silencieux. Donc si on reste rationnel, les personnes qui ont disparu des cellules n'ont pas pu disparaître... puisque moi j'étais dans le couloir en train de marcher et j'ai vu personne sortir. Cela donc, dit, ils se sont volatilisés. Cela dit, Marlo, maintenant qu'il te pose la question, toi, l'alarme, a priori, t'a réveillé. Sous médicament d'habitude, donc t'es souvent groggy. Ah. T'as été réveillé par l'alarme. Ah, donc j'ai pas fait attention s'il y avait du bruit avant, moi. Non mais, en général, en règle générale, si la question c'était est-ce qu'il y a du bruit tout le temps, oui. Mais là, au moment même... La question, avant, c'était est-ce qu'il y avait du bruit juste avant. Ah, en fait. Non, là, tu sais pas. Parce qu'en fait, je veux savoir s'il y a quelqu'un qui a eu le temps de récupérer tous les malades et de les emmener tous, par exemple, au sous-sol. J'en sais rien, ça. Voilà, j'en sais rien. Mais pourquoi rien pas moi? Ouais. Bah, si on continue dans votre optique et qu'on veut vous faire porter le chapeau... Surtout pas vous. Ah oui. Oui. Effectivement, j'avais pas pensé à ça. Dans ma tête, je me dis, en espérant que mon visage finisse pas sur le sien. Vous voyez que la lumière commence à clignoter encore plus, enfin à clignoter, à grésiller encore plus. Ça me commence même à faire du bruit. La lumière de la salle du personnel. Tu disais que c'était une lumière de sécurité, hein, c'est ça? Pas celle-là, justement. Ah d'accord. Justement ça, elle détonne par rapport aux autres. Bah, je vais essayer le bouton poussoir ou l'interrupteur. Ouais. Quand tu l'utilises, ça l'éteint. Complètement. Et si je rallume? Ça se rallume et ça continue de grésiller. Bon. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? D'ailleurs je vois qu'il est habillé, je lui dis vous avez fouillé dans les affaires du personnel. Oui, bah étant donné les circonstances, j'allais pas rester à poil, excusez-moi. Hein. Non, mais vous avez pas trouvé une lampe de poche ou quelque chose? Ah, j'ai pas regardé, on peut fouiller dans les vestiaires. Moi aussi, il y a un bureau. Je suppose qu'il y a des casiers, Ouais, des infirmiers, je vais fouiller le bureau des infirmiers, de bien avoir une lampe de poche, un taser, un truc. Pas de problème. Bah, je regarde moi aussi dans les casiers. Vous trouvez une lampe torche. Si tu la testes, elle s'allume. Ok, je la prends. Tu la laisses allumer ou tu l'éteins? Bah pour l'instant, vu qu'il y a de la lumière, je la laisse éteinte. Ok. Enfin, je la teste, hein, bien sûr, comme tu m'as dit. Oui, mais ça marche. À part si c'était dans le... Comment ça s'appelle? Dans le vestiaire où... où Marlo a fouillé. Moi, j'ai fouillé plutôt le bureau des... Toi, c'est dans le bureau que tu as trouvé ça? Ah, d'accord, le vestiaire, elle avait déjà fouillé de toute façon, elle avait trouvé les habits. Ouais, moi j'avais juste trouvé des habits. Mm. Après, j'avais pas cherché plus loin au départ. Dans le bureau, t'as trouvé ça dans un tiroir, la lampe. Mais par contre, il y a vraiment rien d'autre, quoi. Enfin, rien d'autre. Rien de. Pas d'affaires personnelles de non. Gens. Non, voilà. C'est comme si ça avait été laissé là, en fait. Tu veux dire exprès? Il y a même pas un stylo, un crayon Ah, tu dois en trouver ici et là, peut-être par terre. Mais voilà, s'il y a une bouteille d'eau, elle est vide. Et elle est par terre. Il y a de la poussière, voilà. De la poussière sur les tables et tout ça. Ouais. Je vais regarder la date de péremption de la bouteille, si c'est marqué. Ouais, ça, on va dire que c'est, je sais pas moi, 3 mois c'est après. Cohérent, quoi. Ouais, okay, c'est cohérent. Okay. Ouais. Bon. Cette situation est étrange. J'ai pas entendu la réponse pour la poussière, par contre. Si, il y en a. Oui. Il y en a de la poussière. On peut écrire sur le bureau avec notre doigt, quoi. Oui.
Putain, c'est quoi ça? C'est bizarre quand même. Je suis passé, je suis passé devant il y a même pas une demi-heure et les infirmiers étaient là et tout était nickel, entre guillemets, mais... Est-ce qu'il y a un miroir? Ou un truc qui pourrait refléter l'image? Pas du tout. Il n'y a la pas un lumière... truc en inox ou... Voilà, là, peut-être... Enfin, refléter, ça peut refléter un tout petit peu, peut-être un des robinets ou un truc comme ça. Ouais, je veux voir si j'ai de la barbe ou tu vois, un truc de... Ouais, bah non, pas spécialement. De ce que tu vois, il n'y a pas de changement particulier. D'ailleurs, t'es assez propre. Enfin, normal. Ok, moi j'ai pas vieilli comme le mobilier. Quoi. Non, non, pas du tout. La lumière de la salle s'éteint complètement. Vous êtes plongé dans le noir. Tout de suite. Ok. Et je la pointe vers la porte, vers l'escalier. Donc. D'accord. Ah bah écoute, tu vois le début de l'escalier. Attends, je croyais que t'aimes dire tu vois une créature blanche. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas rester là. Il n'y a pas moyen d'ouvrir la porte en haut? J'ai essayé. Après, j'étais tellement sous choc que... Peut-être que j'ai mal essayé. Mais ce qui est très étonnant, c'est que le meurtrier, là, si on veut l'appeler comme ça, m'a pas suivi dans les escaliers, quoi. C'est bizarre, ouais. Il reste en haut en embuscade, vous croyez? Je sais pas. Là-haut, c'était également tout en bazar. Et... Par contre, l'électricité avait l'air de mieux fonctionner. En tout cas, mieux que dans cette pièce. On entend les rires ou c'est juste du background là? C'est du background, mais ça représente bien votre état d'esprit par contre. Votre oui, état on de tension. Plus. Les ricanements, on les entend une fois, pas non. Deux, quoi, je veux dire. C'est voilà, ça. Exactement. Le rire de okay, tout à l'heure. Là, on les entend plus, les non. ricanements. Non. D'accord. Il n'y a plus aucun bruit? Ici et là, de temps en temps, un petit craquement. C'est du bruit ambiant. Vraiment, littéralement, du bruit qui peut arriver de temps en temps. Ça craque ici. Ouais, ça craque. Voilà, il y a un truc. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de remonter à l'étage pour ouvrir la porte? Moi, je vais juste essayer un autre truc. Tu sais, il t'a dit qu'il y a des vestiaires, donc il doit y avoir une lampe. Je vais voir s'il y a un interrupteur, pareil, pour vérifier. Non. Il y en a un, mais il marche pas. Il fonctionne pas. Ça marche pas. D'accord, mais c'est bizarre que dans cette pièce, on a réussi à allumer tout à l'heure et pas dans les autres. Dans le couloir, il doit y avoir une minuterie, j'appuie. Ah, tu retournes dans le... Tu vas dans le couloir, là? Je pense que le couloir... Moi, je le suis, hein. Je suis la lumière. Si vous êtes pas de la porte. Si vous sortez, oui. Ah, si vous sortez, tout à fait. Vous êtes en bas de l'escalier. Je suppose que sur le pas de la porte de l'espace des employés, là, il doit y avoir la minuterie à côté, donc j'appuie. Passe rien. Pas de lumière. Non, putain. Rien du tout. Bon, écoutez, moi je connais qu'une seule sortie, hein, à part on peut casser une vitre si vous voulez. Mais il y a les barreaux de toute façon, donc on peut pas sortir. Enfin, je suppose que les barreaux sont tellement serrés qu'on peut pas sortir. Je perds les pédales. La seule solution, essayer c'est... d'aller casser la porte, mais bon. C'est la porte. Elle est blindée, cette porte d'entrée, là, de la section C, je suppose? Blindée, non. Pas au sens strict du terme. C'est une porte qui est très costaud, quoi. Mais, pas blindée. C'est une solide porte, cela dit. Hein. J'avais l'impression qu'elle était fermée avec un verrou ou avec une cadenas, une chaîne. Hein. Possiblement une chaîne. De mon côté, du coup? Non. Non, de l'autre côté. Ah, de ouais. l'autre. J'entends mais c'est difficile à dire. Côté, ouais. Mais... Bon, on va pas arriver à l'ouvrir. Si on a décidé de nous enfermer, c'est pour jouer avec nous, hein, de toute façon. Donc, est-ce qu'on peut gagner ça, ce jeu? Ça, j'en sais rien. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, alors? Ben, ouais. Éliminer les autres concurrents, j'en sais rien. J'en sais rien. Vous êtes où, là? On est dans le couloir, je pense. Dans le couloir. Donc vous êtes en bas de l'escalier, au niveau du couloir. Ok. McGrath? Non, plutôt Marlowe. Marlowe. Mm. Donc, tu prononces ces dernières paroles, tu jettes un œil, tu parles de cette porte que tu aimerais bien ouvrir, qui est en haut. Tu regardes en haut des escaliers et tu vois une silhouette. Oh.
Dirigez la lampe par là-haut, s'il vous plaît. Elle clignote. Et commence à descendre les escaliers. McGrath la voit aussi. J'allume. L'éclairage ambiant, il est comment sans la lampe? Très sombre, là. Extrêmement donc sombre. Avec la lampe torche, j'essaye de l'éclairer, elle. Tu l'éclaires, et à ce moment-là, tu mets en évidence son visage. Marlowe, ça te rappelle d'affreux souvenirs. Tu vois ce visage cousu de l'infirmier Parson, que tu connais aussi. Par contre, au moment où la lumière frappe cette créature, elle cesse complètement de clignoter. Et elle se déplace beaucoup plus comme un humain. Et elle descend les escaliers à toute vitesse, comme un humain le ferait. Néanmoins, elle a toujours des très grands membres, avec des genres de filets d'ombre qui en sortent. Ça n'a aucun sens. Que faites-vous? Vous n'avez pas beaucoup de temps pour réagir. On part en courant, je suppose. Moi, je recule, hein, vu qu'on était dans un coche. Toujours pareil, en fait. Quoique, même si on va s'enfermer dans un... Elle va très vite. Tu vois qu'il y a des espèces de filaments d'ombre qui sortent de ces longs bras. Fais-moi un test, toi, McGrath, qui a reculé précautieusement. Tu me fais un test difficulté 6, s'il te plaît, avec un des 10. 2. Ah ! Tu es touché par ces filaments et ils te coupent. C'est comme si ça te faisait des coupures de partout autour de toi, sur ton torse, sur tes épaules. Tu perds 3 nouveaux points de détermination. Je me suis trompé quand je vous ai dit un truc tout à l'heure sur le nombre de points. C'est 5 sur la ligne et c'est 10 au total. Hein. Ah, d'accord. Je me suis trompé quand je dis ça. Donc là, tu dois être à 5 barres et une croix. Donc une croix. Voilà. Ah, c'est que 5. Alors attends, il faut que je... Ah, je me suis trompé. Tableau. Du coup, tu as un malus de moins 1 à tous tes tests maintenant. Quoi qu'il arrive. Marlowe, tu es parti en courant. Tu es dans le couloir. Tu peux aller direction la salle de traitement ou tu peux retourner à l'opposé du couloir en direction de la salle de détente. Que fais-tu? Je suis allé dans la salle de traitement, je sais pas. Tu vas direction la salle de traitement? Et je suis dans le noir, je suppose. J'ai pas de lampe. Non, mais tu as la lumière une lumière faible du générateur de secours. Tu as toujours en fait ton pied de chaise à la main, je te précise. Ah oui, oui. Je l'ai gardé. Non, mais je l'ai, oui. Tu vas direction salle de traitement. Ouais. McGrath, tu viens de te faire couper, mais tu n'as pas été saisi par les choses, par les espèces de filaments. La créature est maintenant environ 5 mètres de toi. Dans un instant, si tu ne fais rien, elle sera sur toi. Que tu résistes. Elle est tournée vers moi, son visage est tourné vers moi ou vers l'autre qui est parti en courant? Vers toi, t'es juste immédiatement là, elle est à 3 marches de toi. Quoi. Ok, je te conseille de réagir vite. Mes trucs dans les mains, je vais reculer vers une fenêtre et je vais essayer de péter une fenêtre et récupérer un bout de verre en fait. Donc, tu retournes dans la salle du personnel? C'était là que j'étais entré en reculons en fait. Ah d'accord, pas de problème. T'es dans la salle du personnel, tu casses la vitre, tu vois que la chose rentre et encore une fois, elle se déplace comme un humain. Maintenant que tu as la lampe torche pointée vers elle, elle ne clignote plus du tout. Tu as pété la vitre, ça te coupe un peu les mains, mais au moins tu as un bout de verre qui tombe, tu t'en saisis. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Pour l'instant, j'attends voir. Elle arrive dans ta direction. La carrure, ça ressemble pas au Dr. Newman, on est d'accord? Non, beaucoup plus grand. Fin, d'accord. Mais plus grand. Si elle essaie de m'agresser, elle est sur toi. D'esquiver, de partir dans les vestiaires pour fuir. Tu peux fuir, ça, je te ferai pas faire. Si tu recules, je te fais pas faire de test. Elle te suit néanmoins. Tu vas bientôt être acculé dans les vestiaires. Ouais. Je te laisse réfléchir. Marlowe, tu es au niveau de la salle de traitement, enfin de la porte de la salle de traitement, tout au bout. C'est très peu éclairé. Tu as la grande porte. Elle est pas blindée, mais c'est pareil, c'est une grande porte métallique. Tu essaies de l'ouvrir, c'est fermé. Que fais-tu? C'est la porte de la salle de traitement qui est fermée? En tout cas, direction la salle de traitement. Il faut descendre normalement pour aller dans la salle de traitement. Mais oui, c'est dans cette direction. Ouais, c'est fermé. Fermé à clé. Fermé à clé. Il y a une serrure. Et il n'y a pas la clé dedans? Non. Ah, on ne sait jamais. Et la salle de détente, elle est du même... Complètement à l'opposé. Elle est de l'autre côté. D'accord. Bon, je me rends compte que la chose m'a pas suivi, donc je vais revenir en arrière. Mmh.
Je reviens au niveau de la salle, je jette un œil dans la salle de Du repos, personnel? là, du Ok. personnel, ouais. Ce que tu vois à ce moment-là, c'est que, tu sais, dans la salle du personnel, tu as une porte battante qui ne se ferme pas, qui mène au vestiaire. Eh bien, dans l'entrebâillement de cette porte, tu vois la créature de dos, hyper grande, qui rentre à l'intérieur et qui marche en direction de quelqu'un. Il doit y avoir du sang sur la porte en plus, vu que je me suis coupé Tout à quand fait, je et l'ai puis tu vois poussé. qu'il y a la fenêtre qui a été pétée. La créature est sur toi, McGrath. Tu te mets à hurler quand tu sens que c'est qu'elle te coupe. Que Ouais. fais-tu avec ton bout de verre? Je vais essayer d'enfoncer mon bout de verre en avant, même si je suis pas un grand combattant. Ok. Moi, je vais la prendre par derrière. Pas de problème. Le temps que tu y ailles, je vais quand même faire un test à l'ami McGrath. Fais-moi un test d'une difficulté de 6. Mais il faut que je fasse 7 du coup, hein, parce que j'ai un malus. Ah ouais. 8! Oh. 8. Qu'est-ce que tu fais avec le bout de verre? Dis-moi Ah ce moi que tu essaies de faire. je Tu l'enfonce l'enfonces? au niveau du plexus, enfin voilà quoi, tu vois, si c'est une anatomie un peu humaine, Ouais, tout à j'essaye de fait. viser le cœur, quoi, tu vois. Tu l'enfonces à répétition, tu hurles, toi tu l'entends hurler, Marlowe. Et tu Ouais. sens que la créature, elle laisse échapper un petit cri strident, une parodie de complaintes humaines et de trucs qui n'a rien à voir. Et ça marche, tu sens que ça se plante dans ses chairs. Néanmoins, tu te fais encore couper. Tu perds encore 2 points de détermination. Tu seras à moins 3. Marlowe, t'arrives derrière, qu'est-ce que tu fais? Je tape sur la tête avec mon bâton tant que je peux, comme un fou. Tu frappes. Pouf, sur la tête. Fais-moi un test. Difficulté 6. 4, pardon, t'es derrière, excuse-moi, 4. Tu peux Je même fais lancer un combien? dé de 10 supplémentaire. Et j'en fais un autre? Si tu. Bah, sauf si t'as Cram, réussi. allez, Oh, paf, t'as fait je sais pas, 19, quoi. j'ai fait Ah, bah 9 et parfait. 10. Magnifique. Magnifique. 19 sur 20, bravo. Tu lui fracasses le pied de chaise sur la tête. Ça la fait chanceler. Tombe presque en arrière, elle recule, elle te bouscule ce faisant, et tu vois que elle recule, mais littéralement en reculant. Et alors qu'elle quitte le rayon de lumière de la lampe, elle se remet à clignoter tout en reculant, et elle disparaît dans l'ombre du couloir. Elle a réussi à s'enfuir. Moi, je suis à quatre pattes là, je suis dans mon sang, je Ouais. glisse sur les carreaux là, j'essaye de me relever. Vous avez vu cette chose? Oui, j'ai vu. Hein. C'est Elle est encore partie, elle pire va que ce que revenir. moi j'avais vu. Hein. Je ne sais C'est pas où pas est-ce qu'elle est partie. Est-ce qu'il humain, vous n'y a pas avez de vu la l'eau au taille de ses bras? robinet là? Pour nettoyer un peu le De l'eau? sang. Il y a bien un robinet là dans cette salle, non? Tu Une salle de peux. repos. Bien sûr, il y a un robinet Voilà. qui se met à goûter très légèrement. Donc moi je cherche un linge ou quelque Quand je dis chose, un goûter, torchon. c'est des petites gouttes. Hein. Look, Ah mais look. il coule Non, pas, d'accord. non, il coule Ok. pas. Ah zut. Toi, McGrath, t'as des coupures de partout, comme si t'avais été sabré à différents endroits. C'est parfois profond, t'as des plaies Ouais, j'allais ouvertes. dire c'est profond. Pas au point que. C'est vraiment des. Comment? C'est pas des coups d'estoc. Donc t'as été. Ces petites estafilades, quoi, comme des, si c'était Comme un des lames de filament. rasoir. Ouais, comme des lames de rasoir, exactement, mais Ouais, qui peuvent être ouais. quand même beaucoup plus profondes. Enfin, qui peuvent quand même être profondes, mais tu n'as pas été touché à des organes vitaux, encore que ça pourrait s'infecter à terme. Je vais essayer de resserrer ce que j'ai, hein, si j'ai des manches de chemise ou quoi, Ouais, ça tu pour peux. essayer d'endiguer le saignement, même si c'est superficiel. Il n'y a pas un Et endroit où il y a des pansements et tout ça bah, on est dans dans la ce genre salle d'infirmerie, d'endroit? enfin Il n'y a dans l'espèce rien. d'infirmerie, donc il Il n'y a rien devrait y en du avoir, tout. mais il n'y a Il plus n'y a rien. rien. Il n'y a plus rien. Ta lampe torche, elle est toujours allumée? Ah bah oh, je pense que oui, hein. Je me suis pas amusé à S'il fait l'éteindre là. noir, oui. Ok. Ah oui, il fait noir là maintenant, là-dedans. Je vais, avec la lampe torche, je vais essayer de regarder le bout de verre que j'ai dû laisser tomber dans l'altercation. Voir si c'est vrai, il y a du sang au bout, tu vois, si ça a vraiment touché un être humain, enfin vivant. De chair et de sang. Y a du sang. Couleur normale, on est d'accord. Ouais, normal. Moi, si j'ai fracassé mon truc de chaise, j'en fais un autre. Il s'est pas fracassé. Ah, il est entier. Bon, alors ça va, Ouais, si il est solide, c'est tu peux bien. encore t'en servir. Ouais, bah, je vais le garder.
Et comment, avec les coups que vous lui avez mis sur la tête, cette créature a-t-elle pu réussir à s'enfuir ? Je pense qu'il est un peu plus qu'humaine. Voire beaucoup plus qu'humaine. Enfin, des choses beaucoup plus qu'humaines, à part des animaux. Non, mais il faut que vous essayiez d'ouvrir votre esprit. Marlowe est un spécialiste. Oui, enfin, moi, les esprits des autres, j'essaye de les lire, quoi, dans mon métier, normalement. Oui, bah justement, hein, maintenant, il faut un peu ouvrir le vôtre, voilà. Donc, mais par contre, je vois pas comment on va pouvoir se tirer de ce mauvais pas, là, je pense qu'on va mal finir. Moi, je suis pas du tout optimiste. Si je peux me permettre, je pense que si vous restez indéfiniment ici, vous allez mal finir. Donc, il faudrait... Au moment où on allait remonter, il y a eu une créature. La seule sortie, tu l'as dit toi-même, c'est là-haut. Donc, comment dire, moi, je suis pas conscient, je suis pas au courant qu'il y a des armes à feu planquées dans la salle de détente, quoi. Tu vois, je veux dire, pour moi, la salle de détente, c'est pas le salut, quoi. Ah bah, je te le confirme que c'est pas le salut. Non, mais de toute façon, il faut qu'on... Mais le seul moyen de sortir de là... J'ai pété la vitre, je vais regarder par le trou que j'ai fait avec ma lampe torche pour voir ce que j'éclaire dehors. Est-ce qu'il y a des arbres, est-ce que c'est comme d'habitude, ou est-ce qu'on est dans une bulle de néant ? Eh ben, exactement, tu pointes ta... Enfin, une bulle de néant. Quand je dis exactement, c'est l'impression que ça donne. En tout cas, tu pointes dans la direction, et ça n'éclaire rien. Le faisceau lumineux se perd dans les ténèbres, en fait. Il n'éclaire rien du tout. Et le ciel, des étoiles. Non. C'est noir. Ça m'avait jamais arrivé de faire des rêves comme ça. Non, pas du tout. Jamais. Moi si, souvent. Quoi ? Non mais là on n'est pas en train de discuter, dommage. Donc je pointe le ciel, j'ai même pas d'étoiles, on se croirait dans un cauchemar. Mais je crois qu'on y est. Je te regarde avec intensité. Dans la tête de qui ?